une pour les meilleurs. Nico Business Core Number One, Nouvelle Jérusalem. Nico Business, les meilleurs, oui les meilleurs, oui les meilleurs. Nico Business, les temples, oui les temples, oui les temples. Il est l'espoir de la jeunesse. Nouvelle Jérusalem, Nico Business Car, Nanobiboya Awawa, Borosala Décité, Mitu Kanyoso, confort, garantie assurée, kilométrage normal. Bamituka Yote n'a pris à bien. En plus, incomparable, prix abordable. Nouvelle Jérusalem, chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kwachana. Kisha ekuna fanya vente na location ya ma miotoka ya kwachana. Acha sur internet ni tayari. Nico Business Car ekuna uzisha miotoka ya kila damuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numero 102 Manyema coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. A Kiamungu. La nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business, tonton. C'est pas de la magie. Voyo, c'est qui à Moutouka? Non, c'est pas que la porte, il y a plus de 7 ans.
Évidemment, quatre districts que vous connaissez. Je voudrais l'entendre de... Quelle est la première circonscription que vous connaissez? Changu. Pourquoi vous parlez de Changu? Le Kumba, Changu, Wamba, Funa. 24 communes. Et j'aimerais commencer mon propos en disant que nous n'aimerons pas, nous ne voulons pas être les gouvernants, gouverneurs et vice-gouverneurs de la ville de Gombe. Mais de la ville de Kinshasa, avec priorité sur les 23 autres communes, d'abord. Quand on a fait les descentes sur terrain, on s'est rendu compte de beaucoup de choses. Et ce que nous voulons présenter aujourd'hui, le concept de cette présentation, c'est le normatif. Tout doit redevenir dans les normes. Les gens, pendant la campagne électorale, vous avez exigé, vous avez demandé l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas seulement de voir un président sortant, céder la place à un président entrant. L'état de droit, c'est de ne plus jeter les papiers sur les artères principales. L'état de droit, c'est de ne plus trouver normal de voir des gens qui sont en train de se basculer sur des bus dans les rues. L'état de droit, c'est de ne pas voir des gens qui sont assis dans les coffres des véhicules à tombeau, en train de rouler à tombeau ouvert. L'état de droit, c'est de ne plus accepter que cette boisson qui se vend sans publicité appelée Zododo se vende comme des petits pains avec comme conséquence l'insécurité parce que les jeunes commencent à s'enivrer avec tous ces alcools forts. L'état de droit, c'est aussi pour cette capitale de remettre, de corriger certaines lacunes qui ont été faites. Et on va peut-être vous étonner avec ce qu'on va présenter comme chiffre, avec ce qu'on va présenter comme projet. Nous avons, et vous pouvez me faire confiance, avec l'expertise, l'expérience de Maman Nelly Kiwewa, analysé les détails de ce que notre ville-province peut produire en termes de moyens. Et comme vous pouvez le voir, en termes de moyens, le budget de 2017-2018, la ville de Kinshasa, il nous est dit qu'ils ont pu lever 230 millions de dollars. Avec 230 millions de dollars, moi je ne suis pas là pour expliquer ce qui a été fait avec cet argent. Mais je fais juste une belle analyse, je me dis, sur un mandat de 5 ans, sur un mandat de 10 ans, de 12 ans, quand on multiplie, ça devient énormément d'argent. Et ça, c'est ce que l'on sait, parce que, comme vous pouvez imaginer, il y a beaucoup de roulage. Il y a plusieurs situations qui vont résumer la capacité de mobilisation des recettes que nous allons démontrer avec deux exemples. Le premier exemple, c'est que je suis publicitaire. C'est mon métier, c'est un don de Dieu, mais ce sont des études que j'ai faites. Quand on nous dit qu'une régie publicitaire rapporte à la ville de Kinshasa aujourd'hui 24 millions de dollars, croyez-moi,
Le minimum que peut produire cette régie publicitaire, c'est 100 millions de dollars par an. Croyez-moi, vous êtes du mandat. La régie publicitaire de la ville de Kinshasa peut rapporter minimum 100 millions de dollars par an. Premier exemple. Deuxième exemple, c'est des cas que vous connaissez tous. Vous avez entendu, vous avez des proches, des opérateurs importants économiques de la ville de Kinshasa qui doivent à la province 2-3 millions de dollars de taxes. Et vous savez que quand les agents de la province, quand ils vont pour essayer de récupérer ces montants dus à la province, il y a des arrangements. Quelqu'un qui devait payer 3 millions de dollars va s'arranger à payer 500 000 dollars. Et les 500 000 dollars, où est-ce que ça va? On ne sait pas combien reste réellement dans les caisses de la province et qu'est-ce qui est, je ne vais pas dire partagé, mais qu'est-ce qui est coulé. Multipliez ce genre d'exercice sur le nombre d'opérateurs économiques dans la ville de Kinshasa. Ça fait énormément d'argent. Ça veut dire, en faisant ce calcul et en faisant des exponentiels, on se rend compte que la ville a suffisamment, elle peut mobiliser, elle mobilise 230 millions de dollars, ça veut dire qu'elle peut mobiliser beaucoup plus. Et nous ne sommes pas dans une réflexion où on dit, on va se contenter uniquement de ce que l'on trouve. On a trouvé les moyens de créer ces ressources. Malgré tout ça, il y a des problèmes qui persistent. Difficulté de transport urbain, pas d'emploi, administration lourde. Je vais passer sur certains slides parce que vous connaissez les différents problèmes que la ville a. Mais comment est-ce que nous, on peut garantir que nous allons lever énormément et plus d'argent? Voici nos solutions. Redynamisation et numérisation des services de la DGFK. Qu'est-ce à dire? Plus personne n'aura à commencer à aller chercher l'argent chez les opérateurs économiques. Tout sera numérisé. Une société qui donne l'argent va remplir un formulaire en ligne, imprimer ce formulaire, aller à la banque payer. La personne physique qui passera ne passera que pour avoir la preuve que ça a été payé. Il n'y a plus de transaction entre individus avec l'argent. Digitalisation, numérisation des services des communes. J'ai été visiter plusieurs communes, je suis arrivé dans une des communes, la commune de Massina, la maison communale. J'ai trouvé une maman très sympathique en train d'écrire dans un grand cahier. Maman Oni, OESA registre de naissance. Et je vois quelqu'un qui rentre avec un papier, un pessier. Moi, la goutte goutte dans l'hôpital tête. Je lui dis, mais comment est-ce que vous êtes sûr comment la goutte habité? Il y a dit, papa, il y a pas tous les jours, vous pouvez s'en battre. On va numériser ça simplement. Chaque hôpital qui est recensé va faire partie d'une plateforme numérique qui fait que tant on a Botami, bien on a Koufi, bien on a Bali, la commune, c'est signalé enregistré automatiquement à la commune, à l'hôpital, automatiquement à la seconde même, la commune a l'information, l'hôtel de ville a l'information. Ça nous permet aussi de répertorier, de commencer à avoir une base de données qui peut aider au niveau de la sécurité de la ville. Et on a dit des simples. Ce que je vous présente, nous avons déjà fait le modèle de ce programme informatique. Nous l'avons testé. Donc ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas des idées qui valent de l'or, simplement, sans être sûr qu'elles vont réellement fonctionner. Mise en place de fichiers uniques pour la perception de recettes. Parce que quand il y a plusieurs, et vous le savez mieux que nous, quand il y a plusieurs personnes qui prennent les recettes, c'est très difficile de pouvoir faire la traçabilité. La lutte contre la corruption et le roulage de recettes par des contrôles internes et des audits permanents. Il faut qu'on soit habitué à être sur le fait du contrôle tout le temps. Tout le temps. Ça va discipliner les gens. Et si vous trouvez des gens qui sont dans des failles, immédiatement, c'est la sanction. Centralisation et bancarisation des recettes dans les comptes certifiés. Je crois que nous l'avons lu, qu'il y a plusieurs comptes, et parfois, certains opérateurs payent dans des comptes. Est-ce que c'est des comptes certifiés appartenant à l'hôtel de ville? Il faudra qu'on réduise le nombre de comptes, et ces comptes-là devront être certifiés, pour qu'on puisse contrôler toutes les recettes de la province. Renforcement des mécanismes de traçabilité de recettes, je l'ai dit plus haut, respect de la chaîne des dépenses et des ressources, création de nouvelles régies. Je vous épargne tout ce verbiage, mais
Je peux vous donner plusieurs idées. Aujourd'hui, le numérique se développe terriblement. Plusieurs sociétés qui sont à Kinshasa communiquent sur le digital, sur Internet. Mais qu'est-ce que la ville, qu'est-ce que le pays y gagne? C'est pas réglementé. On peut créer des régies numériques, pas seulement pour taxer, mais pour encadrer, pour stimuler, pour encourager aussi. Et plusieurs autres régies. Maximisation des recettes pour augmenter des amendes transactionnelles. Chers amis kinois, il y a une fortune qui se trouve dans les rues de Kinshasa avec rien que les infractions que vous faites, que nous faisons. Enfin, moi, je ne fais jamais d'infraction. Quand tu sors sur le boulevard, quand tu vas sur un Sosa, sur le Mumba, le nombre d'infractions que vous voyez en observant un véhicule qui n'a pas de plaque, un véhicule qui n'a pas de rétroviseur, qui n'a pas d'assurance, un chauffeur qui n'a pas de permis, un véhicule qui surpeuple la capacité requise, ce sont des infractions qui constituent plus pour nous une solution pour enfuir les caisses de l'État, mais un moyen pour anéantir tous ceux qui ne ressemblent pas à Potomoindo ou à Kinyasika. Donc ces infractions constituent une ressource importante. Et avec la vision que nous avons, c'est de pouvoir faire simplement la possibilité qu'une personne puisse payer par M-Pesa ou par Airtel Money ou pour la police moderne avec des terminaux de paiement. Et c'est possible. Et c'est possible. Tu fais une infraction, tu peux payer directement Airtel Money. On a un compte qui est Airtel Money ou M-Pesa avec sur un compte qui appartient à un compte certifié de l'hôtel de ville. Imposition des imprimés de valeur certifiés dans toutes les transactions. C'est aussi une source de revenus super importante. Apport en coopération décentralisée, coopération avec les institutions internationales, jumelage ville, partenariat public-privé. Pendant les 4 semaines ici où on préparait tout ça, je me suis permis de me déplacer, voyager, pour essayer de rencontrer quelques villes, pour essayer d'échanger, de voir quelle est la capacité que l'on pouvait mobiliser. Les amis, les amis. Oui. Les amis, oui. Les amis, oui. Bah, possible ce pays. Je vous garantis qu'en termes de jumelage et de coopération avec d'autres villes, les moyens, les fonds qui peuvent être disponibles en partenariat avec la ville de Kinshasa sont super importants. Et je ne vais pas vous effrayer parce qu'il ne faut pas avoir peur des chiffres. Nous avons l'ambition. Pour les 5 prochaines années à venir, pour la ville de Kinshasa, s'il plaît à Dieu de nous accorder cette responsabilité, avec tout ce que je vous ai montré comme moyen de mobilisation, de lever annuellement 875 500 750 dollars, l'équivalent en francs congolais au taux du jour. Ce qui veut dire, sur 5 ans, on parle de 4 377 503 750 dollars américains. Kinshasa est capable de mobiliser ses ressources. C'est possible. Et ce que nous vous proposons de faire avec cet argent, c'est de pouvoir vous présenter ce que nous pensons vraiment faire pour que les choses changent et s'améliorent pour vous, vos familles, nos concitoyens, les entreprises, les jeunes entrepreneurs qui veulent faire de Kinshasa leur lieu de succès et de vie. Vous permettrez la qualité de ce que vous voyez. Je vais essayer de survoler en lisant. Donc, le programme que je vous propose de présenter à l'Assemblée provinciale dans quelques minutes est conçu selon le modèle de développement durable et contient des actions à mener à moyen, à court, à moyen et long terme pour apporter des solutions appropriées à ce qui constitue les préoccupations quotidiennes de la population kinoise dans le domaine de la sécurité, la santé, l'éducation, des infrastructures. Bref, des questions liées à l'accès aux services sociaux de base. Je crois que le développement éthique durable aussi est conçu de manière à assurer la pérennité du bénéfice pour les générations futures, c'est-à-dire un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leur aux leurs. Le développement durable devrait être à la fois économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement tolérable. Et vous savez, je vous épargne les détails, mais le fait du social, de l'économie, de l'environnement
Quand ces trois visions sont mises ensemble, l'intersection arrive à dire oui, on a un développement durable, viable, viable, si l'économie fait son travail et si le social fait son travail, la ville sera un peu plus viable. Le premier point, c'est l'éducation. Nous avons grandi dans une ville de Kinshasa où il était agréable de rentrer à la maison, de voir des compétitions, des génies en herbe, où des écoles se combattaient en termes d'intelligence. Aujourd'hui, quand on regarde la télévision, quand on suit la télévision, ce que l'on voit reflète le niveau d'éducation de notre ville. Il ne faut pas avoir honte de le dire et de le regarder. L'éducation est une priorité. La contribution de la province pour renforcer le système éducatif de la ville de Kinshasa consisterait à l'application de la politique nationale du livre, l'esprit de compétition entre les écoles, pas seulement sur le taux de réussite aux états, mais aussi dans les disciplines sportives et des œuvres de l'esprit. La création d'une grande bibliothèque publique, la création des écoles communales avec forte intégration de sport et des concours d'idées. Il est important pour moi de préciser ici que la création des écoles communales, je parle vraiment des écoles, avec les normes, pas de simples classes. Une école doit avoir un minimum de simples classes, 6 à 7, une cour de récré, les bureaux de la direction, des toilettes propres, et si possible, une petite bibliothèque numérique, et évidemment, livre print. C'est le minimum, et ce que nous disons, ce que nous appelons école communale, c'est cette qualité-là dont on parle. Pas d'à peu près, la précision, dans le détail. Il faut que nos enfants soient fiers de regarder la télévision, voir des écoles dans notre vie, dans notre pays, et se reconnaître dans ceux qui vivent aujourd'hui à Kinshasa. Parce que c'est dès ce moment-là que vous créez l'envie de partir. Et l'exode des cerveaux que nous connaissons fait que finalement, dans la vie de Kinshasa, on commence à s'habituer, à croire, à accepter que la sainteté est normale, que le manque de respect à nos mamans est normal, que voir des mamans au-dessus de camions venant de Bandundu ou vers le Bas-Congo, on pense que c'est normal. Voir des mamans se disputer pour accéder à un transport, on pense que c'est normal. Et tout ça fait que l'éducation pour nous est la clé. En tout cas, la ligne conductrice de ce programme 6.0. Au profit des jeunes qui demandent, nous proposons des solutions innovantes aux problèmes de notre ville. Pas de politique claire de formation et d'encadrement des jeunes. Absence de politique favorisant l'accès à l'éducation et au sport, c'est ce qu'on a constaté. Mise en exécution des politiques et initiatives favorisant l'accès à la connaissance et la promotion au sport auprès des jeunes. Donc les solutions, construction des bibliothèques municipales avec accès à Internet. Construction et mise en place des centres d'orientation à la formation professionnelle, construction des espaces de jeux et parcs dans chaque commune, suspension de toute taxe défavorisant l'accès à l'éducation et à la formation, surtout celle dans le domaine de l'éducation primaire et secondaire. Détection des talents et orientation avec encadrement adéquat. Pour nous, ce point est très important, parce que quand vous vous baladez dans Kinshasa, les talents pilulent, mais les talents à tout point de vue, pas que dans la musique, pas que dans le sport, il y a plein de talents. Il est important qu'on commence à détecter les talents, les encadrer, les orienter. Je vous donne un exemple, vous savez, il y a un artiste canadien qui s'appelle Drake, D-R-A-K-E, vous pouvez vérifier. Il fait de la musique et ça marche tellement bien. Et cette musique est digitale, donc il vend sur le digital. Ça se vend tellement bien à travers le monde parce que de partout dans le monde, on peut télécharger sa musique. Il a fait tellement fortune qu'il pèse à peu près 3% du PIB de son pays. Une seule personne. Combien de talents n'avons-nous pas ici que nous pouvons découvrir, encadrer, faire en sorte que des richesses puissent se créer? Mais le leadership que nous voulons, c'est un leadership de respect et d'amour. Pourquoi un leadership d'amour? Parce que, chers amis congolais, chinois, nous ne pouvons pas réussir à transformer cette ville si nous n'avons pas l'amour pour les autres. L'amour pour les autres, c'est de ne pas accepter de voir une personne mourir simplement parce qu'on a mal, on a prescrit des médicaments qui n'étaient pas adaptés à cette souffrance que cette personne pouvait avoir. Au Congo, il y a l'hôpital, nous, on se doute, et là, on va se retrouver à l'ennemi, malaria.
typhoïde. Il faut cet amour, c'est parce que je ne peux pas accepter de voir quelqu'un mourir. Un talent, quelqu'un qui peut servir à la construction de notre vie, de notre nation, mourir parce que, simplement, quelqu'un n'a pas fait son travail dans les normes. L'amour, c'est aussi accepter, désormais, applaudir les succès des autres. Accepter de voir des Quinois et Quinois devenir des millionnaires.